m'appelle Aruna Faridat, j'ai 23 ans et je suis étudiante en esthétique comptable. Je fais 1m90 de taille, taille 40 et hanche 36. À l'adolescence, j'étais un garçon marqué et donc ma mère était désespérée de mon cas. Elle m'a dit, et vu ma taille, on me sollicitait soit pour le sport, soit pour la mode. Et ma mère me poussait à aller à la mode parce qu'elle voulait que sa fille soit une fille. Et finalement, au début, oui, j'aimais. C'est moins stressant, c'est moins douloureux que le sport. Et au fil du temps, je me suis posé passion pour la mode, la fashion, être bien habillée, être classe. Je voyais plus les mannequins européens sur les défilés internationaux comme Chanel, Gucci. Et elle m'effrayait un peu. Bon, à cause du maquillage ou de la manière de marcher, le faciès. Mais impassible. Donc je me disais, ouh, ça faisait peur. Mais quand j'ai commencé, j'ai aimé. J'aime la mannequin que je suis. En dehors de la fille de tous les jours, j'aime la mannequin que je suis. D'abord, ma bonne humeur. D'abord ça. Je suis une fille très gaie, très drôle. Et à part ça, je vais dire mes mensurations. Je n'ai pas de mensurations compliquées. Pour ma taille, j'ai de bonnes mensurations. Donc pour m'habiller, ce n'est pas compliqué pour un styliste. On m'appelle et tchap, je rentre dans l'habit. Et ce qui fait que les stylistes m'aiment bien, m'aiment beaucoup. Sur le plan social, être mannequin est mieux vu maintenant qu'avant. Maintenant qu'avant, parce qu'il y a 6 ans, quand j'ai commencé, ce n'était pas trop cela. Parce que les défilés étaient boudés par la population, les gens n'aimaient pas trop. Mais maintenant, l'engouement a pris. Donc les mannequins sont, je ne dirais pas plébiscités, mais sont plus appréciés, sont moins marginalisés, moins critiqués qu'avant. Et sur le plan professionnel, le mannequinat a évolué au Bénin. Parce qu'avant, c'était quelques fois qu'il y avait des défilés. Mais maintenant, pratiquement tous les mois, il y a au moins 2 ou 3 défilés. Donc la plateforme Fashion du Bénin, ça croît. Mes projets, c'est... J'ai un rêve. Hein, mon rêve. Et lorsque je la complirai, je me dirai que j'ai déjà tout fait. C'est faire une affiche Flisco. Donc, mon projet, c'est continuer, m'améliorer. Et un jour, peut-être, je ferai l'affiche Flisco que je rêve. Chers téléspectateurs, aimez la mode et surtout aimez les mannequins. La mode, c'est sur Africa 24.